Le père de famille qui s'est retranché en haut d'une grue à Nantes depuis vendredi ne surprend personne en affichant sa détermination. Il entend bien aller au bout de son combat, d'autant plus que mercredi, une manifestation nationale est prévue pour défendre la cause des pères divorcés. Stéphanie Déjard. Du haut de sa grue nantaise, Serge Charnay campe sur ses positions. Il s'apprête à passer sa troisième nuit à 40 mètres du sol. Mais le porte-parole de la cause des papas divorcés n'est pas seul dans son combat. À ses pieds, d'autres pères sont venus le soutenir pour obtenir l'égalité de droit avec les mères en matière de garde d'enfants. Moi, je ne paye pas la pension pendant deux mois. J'ai une saisie sur salaire, je peux faire de la prison. Elle ne me présente pas mon fils. Je fais 750 km pour le monter, 1500 km aller-retour tous les 15 jours. Elle ne me présente pas, elle n'est pas punie. Son ami Nicolas Moreno, qui avait lui escaladé hier l'autre grue de Nantes, a réussi à tromper la vigilance de la police pour lui porter une bonne nouvelle. Leur combat a été entendu. Les associations de pères seront reçues mercredi par la garde des Sceaux. Mais Serge Charnay ne veut rien entendre, comme il est resté sourd depuis hier aux propositions de réexamen de son dossier par la justice. Qu'il a toujours la faculté, demain matin, de se rendre au palais de justice pour introduire une requête urgente, c'est le nom de la procédure, qui permet une forme de réexamen dont l'audiencement, on l'a dit vendredi, pourrait être réservé le 28 mars à 11h. Serge Charnay a été privé de garde et d'autorité parentale sur son fils pour l'avoir emmené en vacances sans autorisation. La maman du garçonnet de 6 ans a fait savoir par son avocate qu'elle et son fils étaient très éprouvés par les coups de force répétés du père depuis 3 ans.